people see me, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch. Et comme vous le savez, à partir de janvier 2018, nous allons rentrer dans la grande route vers WrestleMania 34. Du coup, j'ai proposé à l'ensemble de l'équipe de C'est ça le catch de proposer sa carte pour WrestleMania 34. Voilà, et libre cours donc du coup de se rapprocher à quelque chose proche du fantasy booking ou peut-être même de suggestions de ce que WWE va nous sortir. L'idée, voilà, c'est d'essayer d'en débattre, de se projeter vers l'avenir et de se dire qu'au final, on aura quand même un bon WrestleMania. Alors, pour ma carte, la carte du New Story Order, il y a 13 matchs. C'est énorme, mais quand on regarde donc du coup les derniers WrestleMania, on va avoir 4 heures de show, 2 heures de pré-show, 4 heures, voire même 5 heures, hein, tu vois, ils ont pas de limite, il y a le network, donc tu peux aller très très loin. Donc je suis resté bloqué sur 13 matchs, avec 3 matchs dans le kick-off, et on est parti, je vais vous livrer la carte du WrestleMania 34 par le New Story Order. Alors pour le kick-off, on commence tout de suite avec un 6-pack challenge match pour le championnat Cruiserweight avec Enzo Amore qui serait toujours champion, qui défendrait son championnat contre Cédric Alexander, Akira Tozawa, Hideo Itami, Drew Gulak et Mustafa Ali. Alors là c'est simple, c'est du spotfest à gogo. Moi j'ai toujours un bon souvenir des 5-pack challenge qu'on a eu pendant 205 Live. Là en ce moment, Arrow il cartonne avec les Fatal 4-Way. Donc voilà, un match à plusieurs avec des éliminations, ça peut être chouette. Là où tout le monde attendrait plutôt Hideo Itami, j'irais bien plus sur un feel-good moment avec Mustafa Ali ou Cédric Alexander. Mais ça peut être un bon match, ça peut divertir les gens, ça peut être une bonne mise en bouche. Et c'est les Cruiserweight, voilà, là où on les veut, c'est-à-dire dans le kick-off, pour chauffer les gens. Donc oui, non. Et puis voilà, ça donne un petit moment à chacun, ils ont quand même été là toute l'année. Allez, et puis victoire Mustafa Ali ou Cédric Alexander, ça ferait plaisir. Deuxième match du kick-off, on part sur un match féminin pour le championnat de SmackDown où Natalia serait toujours championne à ce moment précis, elle défendrait sa ceinture contre Naomi et Ruby Riott. Alors oui, dans l'idée, Natalia reprend le titre à Charlotte d'une manière ou d'une autre, ça peut tomber à Clash of Champions, ça peut tomber en weekly, moi j'ai besoin de garder Charlotte éloignée donc du coup du championnat. J'irai bien avec une victoire de Naomi, je pense que ça peut être un bon triple sweat. Victoire de Naomi et le cash-in de Carmella. Hein, il va arriver quand? Ce serait pas mal qu'il arrive à WrestleMania. En plus, dans le kick-off, ça permettrait de faire buzzer un petit peu plus l'événement. Ça réagirait pas mal sur les réseaux sociaux. Ça donnerait peut-être envie aux gens de voir ce qui se passera à WrestleMania. Donc j'irai là-dessus et le cash-in de Carmella. La bataille royale d'André le Géant. Alors là, bon, tu mets tous ceux que t'as pas pu mettre dans la carte principale. Tu les mets dans la bataille royale d'André le Géant. Tu donnes un bon dernier moment au Big Show, un bon dernier moment à Kane. Et j'irai peut-être sur une victoire, allez, d'un Open Commerce, peut-être de Lars Sullivan, parce que j'ai l'impression que WWE veut vraiment le construire en tant que monstre, pour le monter peut-être après avec les Braun Strowman ou autre. Il y a un bon potentiel chez lui, ça fera un peu figure de surprise, et ça lui permettrait de démarrer dans les rosters principaux, pas du côté de Raw, parce que justement il y a les monstres du côté de Raw, il n'y aurait pas trop du côté de SmackDown, donc Lars Sullivan qui démarrerait à SmackDown derrière, ça pourrait être intelligent. Et voilà, le faire éliminer, le Big Show, Kane, Mark Henry, s'il est encore là. Enfin voilà, plusieurs manières de le faire. Allez, on passe à la carte principale. Et là, les amis, autant commencer directement avec du lourd et des choses qui feraient plaisir. Bray Wyatt contre Matt Hardy. Eater versus Deleter of World. Alors là, c'est vraiment entamer la carte de WrestleMania avec un bon gros délire. Pour moi, c'est pas un match qui devrait juste être un simple match. Ça devrait être même un fil rouge sur tout le show. C'est-à-dire ça peut commencer dans le ring, ça peut partir backstage, ils peuvent voyager dans toute la Nouvelle-Orléans, tu peux tout mettre, le PowerPoint sur le ring, le PowerPoint de Drew Gulak. Tu peux t'amuser à fond la caisse, faire arriver Jeff Hardy de je ne sais pas où, avoir la célèbre phrase Brother Nero, et Bray Wyatt peut aussi partir totalement dans son délire, avoir Sister Abigail, Bray Wyatt, enfin bref, tu peux t'amuser, tu peux faire un gros kiff. Je pense que beaucoup de fans attendent ce moment. Et puis, si Quotidien après veulent faire un reportage sur le catch et parler justement de ce moment pour nous faire passer pour des cons, nous on sera tous très fiers parce qu'on aura compris un délire que le monde ne peut pas comprendre. Voilà, amusez-vous. On continue avec un gros match fourre-tout, un six-man ladder match pour le championnat des États-Unis. Baron Corbin défendrait son championnat contre AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Alors, vous allez tout de suite me dire, oh là, Sturi, tu vois pas AJ Styles rester champion jusque WrestleMania, malheureusement, non. J'ai vraiment envie de voir Baron Corbin descendre la rampe d'entrée avec le championnat des États-Unis. Je pense qu'au vu de son année, il mérite, voilà, à ce moment-là. Par contre, j'irai peut-être avec une victoire au final de Shinsuke Nakamura pour lui donner un feel-good moment. Et voilà, on prend son temps, on construit Styles contre Nakamura pour SummerSlam, tout le monde sera content.
Le championnat par équipe de Raw désormais avec Cesaro et Sheamus qui défendraient leur ceinture contre le Revival. Alors là, c'est très ambitieux. C'est hyper ambitieux, c'est plus un kiff, c'est plus un délire. Je pense pas que le Revival, même si apparemment ils sont prévus de revenir bientôt, seront dans la carte principale de WrestleMania. Faut peut-être pas déconner, personne encore les connaît au niveau mainstream. Là, c'est vraiment du kiff purement personnel. C'est un match que j'ai envie de voir depuis très longtemps. Ça remonte, je pense, même à plus d'un an que j'ai envie de voir ce combat. Maintenant, on peut se permettre peut-être de rêver, puisque le Revival, ok, est sur le point de revenir, mais quels adversaires alors pour Cesaro et Sheamus? La division par équipe de Raw, si t'enlèves Ambrose et Rollins, derrière c'est un peu vide, c'est un peu fade. On sait très bien que Jeff Hardy et Matt Hardy vont pas revenir en équipe tout de suite, surtout avec le délire de Broken Matt Hardy. Et on sait aussi que Luke Gallows et Karl Anderson sont pas forcément dans les meilleurs plans de WWE. A voir en tout cas, moins que d'ici là, une autre équipe venant du roster de NXT débute dans le roster principal. Donc, laissez-moi avec mon délire, Revival contre Cesaro et Sheamus, ça peut être excellent. Le championnat féminin de Raw désormais, j'irai avec un nouveau triple threat match entre Alexa Bliss, Paige et Asuka. J'étais pas véritablement convaincu pour impliquer Paige directement dans un combat de championnat à WrestleMania, mais en fait, en pesant le pour et le contre, quand tu vois les réactions que suscite Paige, quand tu vois le nombre de clics qu'il y a sur les vidéos lorsque WWE diffuse les meilleurs moments de Raw ou autre, elle est quand même vachement importante, je pense, pour le business plan de Vince McMahon aujourd'hui. L'idée aussi de faire un triple threat, ce serait de mieux faire reculer le premier reign d'Asuka. Elle pourrait très bien ne pas gagner le match sans être battue, voilà, c'est un triple threat. Donc, sa streak pourrait être préservée et on pourrait décaler comme ça son sacre au moins jusque SummerSlam, histoire de, voilà, de frustrer un peu les gens et de les garder comme ça. C'est pour ça que j'irais peut-être avec une victoire de Paige au final, qui choquerait le monde. Par contre, je m'attends vraiment pas à ce que ça soit le match du siècle. Allez, on passe désormais au championnat par équipe de SmackDown. Les Usos défendraient leur ceinture contre le New Day. Ça a déjà été fait, ça a été le gros fil rouge de cette année. New Day contre Usos, pourquoi pas clôturer le chapitre une bonne fois pour toutes à WrestleMania sur le biggest stage of them all. Ça serait magnifique. Je pense que c'est véritablement le match qui pourrait être le show stealer. Ils méritent, ces deux équipes méritent tellement d'avoir ce moment à WrestleMania. Et au-delà du match qui serait forcément super, j'irai avec la victoire du New Day. On sait que Vince McMahon, on sait que les créatifs WWE misent beaucoup sur New Day pour dépasser les records. Allons-y! Allez, soyons fous, soyons rêveurs les amis, ça fait partie du fantasy booking. Mais j'ai un match féminin, 4 contre 4. Avec d'un côté Sasha Banks, Bayley, Charlotte et Becky Lynch contre Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jasmine Duke. C'est les Four Horsewomen du catch contre les Four Horsewomen du MMA. Tous les indicateurs sont ouverts pour faire ce match. C'est le WrestleMania moment. On sait très bien que Ronda Rousey est sur le point de signer avec WWE, qu'elle prend déjà des leçons, qu'elle prend déjà des entraînements de catch. Marina Shafir, la femme de Roderick Strong, donc, qui a aussi, tu vois, une petite expérience avec le milieu. On l'a vu Shayna Baszler qui a été excellente lors du Mayon classique. J'ai juste quelques interrogations autour de Jasmine Duke, mais l'idée d'en faire un match 4 contre 4 sans qu'il y ait des éliminations va permettre de protéger l'ensemble des catcheuses dans leur présentation. Puis de toute façon, je pense que l'affiche est tellement belle, elle sera tellement vendeuse pour WrestleMania qu'ils n'ont pas de crainte à avoir, même si dans le ring c'est pourri. Enfin, ça reste quand même, ça peut pas être véritablement pourri, on a quand même des combattantes qui sont là, qui vont être capables de divertir les gens et les tenir en haleine. Et il va y avoir beaucoup de suspense sur l'issue de ce combat, et notamment sur les débuts de Ronda Rousey. Allez, 4 contre 4, avec une victoire en plus des Four Horsewomen MMA. Parce que voilà, quoi, si Rousey elle claque une prise de soumission à quelqu'un, personne s'en relève. Et tu crées tout de suite, tu vois, 4 stars pertinentes aux côtés, tu vois, de Charlotte, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch. Ça fait en effet, j'ai l'impression vraiment qu'elle grille la priorité à beaucoup de catcheuses qui sont là depuis tout le temps, mais c'est WrestleMania les mecs, et on peut pas se passer d'autant de star power dans une affiche. Allez, j'ai un nouveau match fourre-tout avec un nouveau six-man ladder match pour le championnat intercontinental cette fois-ci, avec Finn Balor contre Samoa Joe, contre le Miz, contre Seth Rollins, contre Dean Ambrose, contre Jason Jordan. Alors, il suffit qu'on soit bien clair, on se bat pour le titre de championnat intercontinental qui, à mon sens, sera soit rendu vacant par Roman Reigns, soit détenu à ce moment-là par Samoa Joe. J'ai un peu l'impression que les 6 participants de ce match sont un peu les 6 grands perdants de la saison, parce qu'ils méritent tous les 6 d'avoir un combat solo, même Jason Jordan. Maintenant, voilà, vous avez vu WrestleMania, c'est bloqué les mecs, c'est bloqué de chez bloqué, c'est bloqué de partout.
Je suis pas pour l'idée de faire un Dean Ambrose contre Seth Rollins, pas maintenant en tout cas, je pense pas que ça aura une préparation nécessaire, et je pense pas que Seth Rollins et Dean Ambrose vont créer suffisamment d'engouement pour mériter à eux seuls un spot 1 contre 1 avec aucun titre autour. The Miz a besoin quand même de WrestleMania, faut pas déconner, Samoa Joe a été très bon toute la saison, et puis voilà, Finn Balor. On en fait quoi au final? Tu veux le mettre où? Et Jason Jordan, pour moi, c'est vraiment même la clé. Ce serait même très cool que Jason Jordan remporte le match. Alors c'est évident, il y aura encore plus de hits sur lui, mais ça pourrait véritablement cimenter sa legacy et faire de ça son WrestleMania moment. Il me reste 3 matchs, dont celui-ci, match par équipe à 6-man tag team. Beaucoup de trucs à 6 désormais. Et là, c'est le drôle délire. Hein. C'est Triple H en équipe avec Kevin Owens et Sami Zayn contre Kurt Angle, Shane McMahon et Daniel Bryan. Yes, yes. Je sais pas, je sais pas vous, mais les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur un retour de Daniel Bryan dans le ring. Par contre, comment, contre qui, pourquoi, etc. Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur une brouille entre Shane McMahon et Daniel Bryan. Elle pourrait donc du coup se révéler à cet endroit précis. Kevin Owens et Sami Zayn, j'ai aucune idée de comment les intégrer. Au final, je ne sais pas où WWE va en venir. S'il y a vraiment un rapport de force avec l'autorité. On a vu également Triple H feuder avec Kurt Angle. Si on a Triple H, Kurt Angle en 1 contre 1, ça va pas être joli à voir. Donc autant, tu vois, compléter avec des mecs de talent, rajouter du star power et un 3 contre 3 qui pourrait être intéressant, surtout si on fait monter les enjeux. Si on met par exemple les postes de Shane McMahon, Kurt Angle et Daniel Bryan sur la sellette, si on met les contrats de Kevin Owens et Sami Zayn sur la sellette, ou si on met Triple H à la retraite tout simplement, je sais pas. Il y a pas mal de choses à faire, ça va pas être... Je pense pas que ça va être très bon, malheureusement. Je pense que ça va juste être un bon moment pour le public. Mais dans le ring, on va pas s'attendre à des folies, non. Et j'irai quand même avec une victoire de Triple H, parce qu'il va pas te jober 3 années de suite à WrestleMania, faut pas déconner. Le championnat WWE, désormais, là ça va crier, là ça va... Ah, je le sens, je l'entends, je suis pas bien. Jinder Mahal défendrait son championnat contre John Cena. Si tu pars là-dessus, c'est que Jinder Mahal reprendra le titre à AJ Styles, je vois le sel arriver, le déluge tomber, la pluie s'abattre, et John Cena remporterait le Royal Rumble. Voilà, dans mon scénario, dans mon esprit, dans ma logique, mon pronostic irait là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est pas le bon truc en fait? Est-ce que c'est pas le super truc pro-américain, John Cena contre Jinder Mahal, avec John Cena qui prendrait son 17ème titre à WrestleMania? Ça fera rêver certaines personnes, et il y en a beaucoup qui vont huer. Ça c'est même plutôt évident, mais malheureusement WWE des fois c'est un peu in your face, t'as pas trop l'occasion, tu vois, de souffler, t'as pas véritablement envie de voir ce match non plus, mais ça va se faire, ils vont mettre un gros paquet sur les entrées, et celui qui sera peut-être le plus popé dans le match finalement c'est Jinder Mahal, donc ça pourrait être très bon pour lui, même s'il perd le match, et s'il gagne le match par contre ça va être chouette, ça va être très très chouette, enfin bon, rêvons les amis. Allez, le dernier match, Brock Lesnar contre Roman Reigns, c'est très attendu, forcément, c'est écrit, c'est ancré dans la roche. J'adorais Lesnar contre Reigns il y a 3 ans, WrestleMania 31. Par contre, là, on n'aura pas Seth Rollins pour nous sauver, les mecs. Et la victoire de Roman Reigns semble un peu trop prévisible, c'est pour ça, en fait, je change ce plan et je pars sur un triple threat avec Roman Reigns contre Brock Lesnar, contre Braun Strowman, mon colonel. Parce que là, Braun Strowman... Ça va très loin, moi c'est vraiment celui qui me donne le plus d'espoir sur l'avenir de WWE pour incarner, tu vois, le champion du monde poids lourd. C'est vraiment un monstre que WWE réussit parfaitement à construire pour le moment. Il n'a pas eu un booking évident, mais j'ai envie de voir Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Braun Strowman, ça pourrait être vraiment de la folie. Même si tu donnes le titre à Reigns à la fin, moi mon cœur irait vers Braun Strowman forcément, mais n'écartez surtout pas Braun Strowman du main event. Ne le mettez pas avec Triple H, s'il vous plaît. Ne le mettez pas dans un programme de mid-card qui ne nous passionnerait pas. On veut voir Braun Strowman dans le main event pour le championnat universel. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous m'avez bien entendu, WWE? On veut ça à WrestleMania 34. Voilà, et je vais m'arrêter ici. On a fait les 13 matchs. C'est très compliqué, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, à réagir dans les commentaires, à proposer vos autres matchs. Vous pouvez, bien entendu, aller voir les vidéos de mes autres comparses de ces sales catchs qui ont également proposé leurs cartes. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.